passer le test. Puis en fin de compte, ce que j'ai. Moi, j'étais tellement sûr que j'étais négatif. J'ai été d'une façon un petit peu plus dans le sens. Pour employer un mot, là, pas de façon désinvolte, mais j'étais convaincu que je ne l'avais pas. Alors, ça ne me dérangeait pas, vraiment, là. Mais je pouvais pas. J'étais tellement sûr que je ne l'avais pas que, que j'ai dit, écoute, je suis capable de le savoir, il n'y a aucun problème avec ça. Et là, ils m'ont dit que j'étais positif avec tel degré de puis que mon problème à ce moment-là, à l'époque, j'avais. Pour être précis ici, moi, j'avais à cette époque-là, je pense, c'est 55 ans. C'est une belle journée, hein? Encore une belle journée d'été. Je peux pas dire que ça m'a renversé tant que ça parce que ça m'a donné comme une espèce de soulagement. Ils m'ont donné un traitement, puis on a commencé par un antidépresseur. C'est sûr qu'un antidépresseur, il faut être patient, et ça a pris un an. Pas nécessairement pour me lever le matin, mais pour faire plein de choses. Puis cette année, je commence juste à être un petit peu plus stable, disons, dans le sens que je prends encore des antidépresseurs. Ils ont augmenté le dosage. Peut-être qu'à l'automne prochain, le dosage qu'on va avoir atteint, ça va être le bon pour un bout de temps. En tout cas, c'est une maladie à surprise. Alors, c'est sûr que j'ai pas d'attente ni d'un bord ni de l'autre. Je m'attends toujours. J'essaie de vivre le moment présent. C'est ça qui fait que qui aide à combattre un petit peu l'anxiété aussi. Parce que l'anxiété de maladie, c'est des surprises, des fois, que tu peux avoir. Puis il faut que tu te débarrasses de cette surprise-là, de cette peur-là qu'il va peut-être arriver d'autres choses. Alors, c'est d'être à l'écoute de soi-même plus que jamais. Là. Nous, John et Pinette, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. J'ai passé le test finalement seulement quand un de mes cousins dans un party de famille m'a dit « T'es sûre, Sophie, que t'as pas la maladie de ton père? Il me semble que t'es moins solide. » J'ai dit « On vieillit tout le monde, c'est dur de faire la part des choses. Des fois, t'as moins d'équilibre, tu te dandines un peu plus, mais tu sais, bon, hein, on est toutes... On sait, hein, en vieillissant, c'est dur de faire le partage là-dedans, de savoir là, c'est quoi les problèmes. Là. Est-ce que c'est vraiment ça ou juste le vieillissement? T'sais. Mais en tout cas, fait que durant toute cette année-là que ça a pris tout ça, ben, dans le fond, je m'étais déjà fait un peu à l'idée que je l'avais. Donc, quand je suis allée voir pour le diagnostic, j'étais pas étonnée qu'ils me disent ça, tu comprends? Fait que ça a comme confirmé, dans le fond, quelque chose, même si. Ça paraissait pas beaucoup encore à l'époque. Fait que j'essaie de bouger, j'essaie de rester active intellectuellement, faire des sudoku, faire des jeux. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire là, pour essayer de rester alerte, là, que ce soit d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, après d'aller même d'aller prendre un café avec des gens. Fait que moi, je me dis, bon, on essaye là, de rester le plus là, actif là, possible. Et puis, continuer à travailler. C'est sûr que des fois, c'est difficile parce qu'on est fatigué, on est moins patient, on cherche nos mots, des fois, on a des problèmes de mémoire, donc c'est sûr que c'est pas toujours facile. Oui, c'est la maman qui était atteinte. Quand j'ai vu ma mère toute perte de capacité, là, poser des questions à ce que je peux faire, je me suis dit, cette maladie-là, là, je ne veux pas l'avoir. Mais j'ai la gêne aujourd'hui. Il n'y a rien changé. La vie continue. Moi, quand j'ai su que j'avais ce gêne-là, je l'ai accepté. Avant, j'avais beaucoup d'inquiétudes. Comment je te dirais ça? Ma conscience restait tranquille. Je ne pose plus de questions. Là.